Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 4 octobre. Elle souhaite faire la lumière sur les blessures et ecchymoses décelées sur le visage de son bébé de 7 mois. Ariella Racoussi a porté plainte contre la crèche Fairyland de Beauchamp. Si la direction de l'établissement parle d'une chute, la mère de la fillette est loin d'en être convaincue. Une accusation provisoire de Operating Child Daycare Center Without License retenue contre Megan Dani Gopol. Celle-ci gérait la garderie Princesse Barbie, une crèche illégale à Stanley Rosehill, où la petite Grace, 3 mois, est morte. Cette trentenaire a dû s'acquitter d'une caution de 6000 roupies. À la une également, un jeune policier surpris avec de l'héroïne dans la salle de bain de la SSU aux casernes centrales. Une accusation pour possession de drogue a été retenue contre lui. Criminaliser la sodomie consensuelle entre adultes est anticonstitutionnel. 5 membres de la communauté LGBT ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême ce mercredi. Dans le cahier international, Venise en deuil après l'accident de bus ayant fait 21 morts. Une autre crèche se trouve au cœur d'une enquête policière et cette fois-ci, c'est la garderie Fairyland à Beauchamp qui est pointée du doigt. Soit après une plainte déposée par Ariella Racoussi, cette habitante de Bambouverieux de 24 ans affirme avoir découvert des blessures au visage et sur le corps de sa fille. Le bébé de 7 mois est actuellement hospitalisé. Les responsables de cette crèche affirment que l'enfant a fait une chute des bras d'une caregiver, des explications qui n'ont pas convaincu la jeune femme. Grand matin, maintenant, allez, maintenant, quitte mon enfant. Bien. Gogodri. Parce qu'il n'y a aucun écratigneur. Mais, les camarades va désirer pour là. Souvent, le responsable, c'est moi, j'ai manqué mes enfants, ils tombent. Mais, guette ça, vous autres. Guette ça. Il y en a 17 mois. Guette ça. Pas peut pas arrêter un enfant, il tombe, ça. Tout le monde, il tombe. Pas pareil du tout, pas pareil des enfants, ils torturaient. Ils torturaient, ils battaient ça. Moi, je peux demander si je suis capable de continuer de l'avant. Je finis de me l'enquête, je finis de faire mon cours 58. Et l'enquête est en cours. Installation de Bélien, jamais je pourrais rappeler moi. Aujourd'hui, moi, j'ai envie, je peux dénoncer ce qui peut arriver, prendre compte. Mes parents prennent compte, c'est qui est arrivé, de gaudrie. Je suis capable d'aller faire tous les enfants bien malins, puis j'ai oui, puis j'ai tout bien. Et c'est ce qui est une jambe déjà. Une jambe comme ça, oui, je suis les bien, mais j'ai dit qu'il n'est arrivé. Pas un enfant qui est tombé, ça. Un enfant qui est torturé, il battait. Sollicitée, la directrice de la crèche Fairyland affirme que l'enfant est effectivement tombé des bras d'une caregiver après que celle-ci a fait un malaise. Sabrina Corta qui précise que son établissement est dûment enregistré auprès du ministère de tutelle. Il y a une bêtise noire devant lui, il n'est qu'une tombée, quand il peut, il pas, ça part même pour ses pauvres bébés, bébé, il tombe, il a vers au berceau, quand il peut dormir. Il est enflé, je trouve une balle en rouge, je donne ce premier soin, comme on finit d'un premier soin, je dis, non, dispensaire, non, si je prends lui, ou donne-moi, père Michon, réveille l'enfant dans la crèche, je prends lui, moi, je ne vais pas porter l'hôpital. Ville approche avec voiture, prends mon bébé. Mais comment il prend ce bébé? Il n'est qu'une sortie, je dis, ferme la crèche là. Avant qu'il me dise, il prend bébé, je dis, il me remarque une balle, bébé, il griffait que 2-3 places, qui comme si pas ressent ça. Il dit, moi, oui, je remarque ça, moi aussi, vendredi, parce que bébé patch avec nous le lundi. Bébé, il a une table, il est pointu. Quand Kergi va aussi, dis-moi, regarde comment il y a des petits griffures. Que ça cabla, peut-être ça blabla, ça. Vraiment, comment le trouver? La crèche enregistrée, mon man Kergi va enregistrer. Du côté du ministère du Développement de l'Enfant, l'on explique qu'une enquête a été initiée. Après le décès de la petite Grace dans une garderie à Stanley Rosehill, la gérante de Princesse Barbie, Megan Dani Gopol, a été arrêtée et inculpée pour avoir opéré une crèche illégale. Cette femme de 37 ans a dû s'acquitter d'une caution de 6000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. L'enquête policière se poursuit en ce qui concerne les circonstances entourant le décès de Grace Kadapen, qui était âgée de 3 mois. Sa mère l'avait déposée lundi dans cette crèche et dans l'après-midi, une des responsables l'a informée que l'enfant ne
ne réagissait plus. Le rapport d'autopsie a conclu que le nourrisson est décédé d'une asphyxie provoquée par le contenu de son estomac. Je vous le disais au sommaire, un jeune policier arrêté avec de l'héroïne dans la salle de bain de la Special Support Unit. Cela s'est produit hier dans les quartiers réservés à cette unité de police aux casernes centrales. Cet homme de 21 ans a été surpris par ses collègues et des limiers de la brigade antidrogue ont été dépêchés sur les lieux. Le suspect, qui avait une dose d'héroïne, a été placé en détention jusqu'à sa comparution devant la justice ce mercredi. Le jeune policier a dû payer une caution pour retrouver la liberté conditionnelle dans cette affaire de possession de drogue. Alors qu'il est déjà en détention, Hussein Abdul Rahim fait l'objet d'une nouvelle accusation provisoire. Il s'agit cette fois d'une affaire d'escroquerie de plus d'1 million de roupies. C'est une femme qui a porté plainte contre le suspect. Vous le savez, Hussein Abdul Rahim a récemment dénoncé une affaire de 8 kilos de cocaïne, sauf que le Forensic Science Laboratory a conclu qu'il s'agissait en fait d'un mélange de farine et de paracétamol. Les trois suspects qu'il avait incriminés ont retrouvé la liberté conditionnelle. Ce matin, Hussein Abdul Rahim a été traduit devant le tribunal de Port-Louis pour cette affaire d'escroquerie avant de regagner sa cellule policière. La Financial Intelligence Unit conteste l'annulation du freezing order contre Danesh Elaya et son entreprise DNS International. Les points avancés dans l'appel ont déjà été déposés en Cour suprême. C'est le 12 septembre dernier que cette décision avait été prise par la juge Karuna Ganesh Balagi. Elle avait avancé plusieurs points pour justifier cette annulation, parmi le fait que la FIU n'avait pas effectué un full disclosure dans cette affaire. Plusieurs transactions financières et effectuées par DNS International ont été passées sous la loupe, mais après analyse, la juge a conclu que l'entreprise de Danesh Elaya avait bénéficié de plusieurs paiements de la Security Division du bureau du Premier ministre. Cinq membres de la communauté LGBT ont obtenu gain de cause devant la Cour suprême ce mercredi dans un premier verdict rendu par les juges David Chan Kan Chong et Karuna Devi Ganesh Balagi. Ils ont décrété que l'article 251 du Code pénal qui vise à criminaliser la sodomie est discriminatoire et anticonstitutionnel, cela dans la mesure où il interdit les actes de sodomie consensuelle entre adultes masculins consentants. L'affaire a été portée en cour par Ridwan Asik. L'action était dirigée contre l'État. Le collectif Arc-en-Ciel fut joint à l'affaire comme partie intéressée. Les juges ont réitéré les mêmes conclusions dans une autre affaire similaire portée par 4 autres membres de la communauté LGBT. Et le jugement rendu aujourd'hui par les juges David Chan Kan Chong et Karuna Ganesh Balagi marque une avancée essentielle dans la lutte pour les droits humains et le respect des différences. Réaction du cabinet d'avocats Dentons, engagé pour la justice et les droits humains, qui parle de jugement historique qui remet en question l'article 250 du Code pénal. Ce jugement sans précédent marque un tournant significatif dans la protection et la reconnaissance des droits de la communauté LGBT à Maurice, souligne le cabinet d'avocats Dentons. Le Premier ministre n'a pas mâché ses mots contre certaines entreprises qui, selon lui, géraient mal leur fonds CSA. Pravin Jugnauth affirme qu'une partie de ce budget destiné aux personnes pauvres a été utilisée pour financer des fêtes, entre autres. Le chef du gouvernement se dit ainsi satisfait d'avoir introduit la National Social Inclusion Foundation. Pravin Jugnauth participait à la journée mondiale pour éradiquer la pauvreté à Port-Louis. Ainsi, c'était mon vision, ça. Mon besoin de dire, parce que moi, quand moi, ministre des Finances, nous cause beaucoup de corporate social responsibility. Moi, vous dis carré, moi. Hein. Moi, pas passe pas en quatre, mais nous dire, ben, l'entreprise, je fais un social, corporate social responsibility. Ça veut dire que je tenais un budget. Ça budget là, lui, pour aider ben, du monde plus pauvre. Dans différents secteurs. Mais je connais, et moi, mon père de respect, je connais qui tu peux, certains, moi, dire, hein. Mon père qui dit tout, je connais qui certains tu peux faire. Tu peux financer, faire une fête pour certains du monde. Qui pas, qui, moi, mon père, pas, qui pauvre, pas pauvre du tout. Tu peux financer une équipe pour jouer cricket. Tu peux financer, ben du monde,
vous êtes à l'extérieur. Vous appelez ça corporate social responsibility, ou? Ou qui dans la misère, ou qui dans le problème, ou qui vous allez. L'argent, une partie d'argent qui m'a été financé. La cause, ça, mon dire. Et mon catégorie, là, la mon gagne beaucoup de problèmes. Mon gagne beaucoup de critiques. Mon gagne beaucoup d'opposition. Mon gagne beaucoup d'opposition de surtout après de. Ben, c'était un moyen. Mais mon déterminé. Parce que ça, l'argent-là, il faut que je vous plus misère. Les Mauriciens consommeront davantage cette année. Parallèlement, ils épargneront plus selon les dernières prévisions de Statistics Mauritius. En juin, Statistics Mauritius est tablé sur des dépenses de consommation au coût de 438,87 milliards de roupies. Toutefois, il a revu ces chiffres à 440,03 milliards de roupies, alors que pour 2023, les Mauriciens épargneront plus de 112 milliards de roupies. La Banque de Maurice est intervenue sur le marché intérieur d'échanges ce mercredi. Elle a vendu 25 millions de dollars au taux de 44 roupies 25 le dollar. Cette injection intervient après que la Banque centrale ait vendu un total de 100 millions de dollars le mois précédent. Le taux par dollar de l'intervention du 27 septembre dernier était de 44 roupies 50. Les badistes mauriciens Julien Paul et Kate Fukuyunludzie ont posé leurs valises en Ouganda cet après-midi en vue de l'International Series 2023 qui débute ce jeudi. Dans leur quête de qualification pour les Jeux Olympiques de Paris 2024, les Mauriciens espèrent réaliser une bonne performance lors de ce tournoi et ainsi accumuler un maximum de points. Julien Paul et Kate Fukuyunludzie débuteront directement dans le tableau principal. Au premier tour, Paul sera opposé à l'Ougandais Muzaffaru Lubega, tandis que Fukuyunludzie affrontera Nourani Ratu Azara des Émirats Arabes Unis. Donc on est bien arrivé en Ouganda, Kate et moi. Et aujourd'hui le programme c'est entraînement, demain aussi entraînement. Et on sera en action à partir de vendredi, tous les deux dans le simple et aussi dans le mix. Kate sera face à une joueuse du UAE et moi face à l'Ougandais. En mix aussi, on aura des Ougandais dans notre premier tour. L'objectif pour nous, c'est on vise au moins un podium. Comme ça, ça nous rapporte des points conséquents pour la qualification olympique. Et on va tout faire pour aller jusqu'à dimanche, le jour de finale. La suite de ce journal, juste après la pub. Maman, où sont passés les A++? D'habitude, ils sont au-dessus du A, non? Il en a plus. Ce sont les nouvelles étiquettes Energy Label et elles affichent les classes A, B, C jusqu'au G. Pour permettre la vente électroménager qui est plus efficient, la loi est amendée. Ancien Energy Label peut faire place à nouveau pour réfrigérateur et lave-vaisselle. Pour comprendre la différence, consultez website et page Facebook IIMO. Original!
SC Works, for life, for work. Les drapeaux des bâtiments officiels étaient en berne ce mercredi à Venise le lendemain d'un terrible accident de bus de tourisme tombé en contrebas d'une voie rapide qui a fait au moins 21 morts, dont deux enfants. Le bus transportait une quarantaine de touristes italiens et étrangers qui venaient de visiter le centre historique de la Sérénissime sur la lagune qui est retourné dans leur camping dans la soirée pour une raison encore indéterminé, le véhicule qui circulait sur un pont a enfoncé le rail de sécurité et a été précipité dans le vide. Les secours ont passé des heures à extraire les victimes de la carcasse du bus qui a été enlevée à l'aube, permettant de rouvrir la route à la circulation. Au moins 23 soldats sont portés disparus après de fortes crues survenues dans une vallée de l'Himalaya. Le lac Lonak est situé au pied d'un glacier proche de Kangchenjunga, troisième sommet le plus haut au monde. Cette région montagneuse et isolée de l'Himalaya se trouve près de la frontière de l'Inde avec le Népal et la Chine, à Nubdukia. En raison d'un barrage en amont qui avait récemment libéré de l'eau, le niveau de la rivière Tista était 4,5 mètres plus élevé que la normale, indiquait l'armée indienne. Une vidéo diffusée par un porte-parole de l'armée montre un violent torrent de couleur brune se déverser dans une vallée plantée de forêts, passant sur des routes et emportant des lignes électriques sur son passage. Sur d'autres images partagées par l'armée, on voit des immeubles submergés jusqu'au premier étage dans une ville avec la pointe d'une petite grue de chantier qui émerge de l'eau. Une partie du territoire du Sikkim est revendiquée par Pékin. Une confrontation mineure selon New Delhi avait éclaté en janvier 2021 entre soldats indiens et chinois sur le col de Nakula qui relie le Sikkim à la région du Tibet en Chine. Des dizaines de milliers de soldats indiens et chinois sont positionnés de part et d'autre de leur longue frontière commune litigieuse. Le dernier conflit ouvert entre les deux pays les plus peuplés du monde remonte à la guerre éclair de 1962 qui avait vu les troupes indiennes rapidement défaites par l'armée chinoise. Le Parlement arménien a ratifié hier l'adhésion à la Cour pénale internationale, provoquant le courroux de Moscou, qui a condamné une décision erronée, un nouveau différend entre les deux alliés traditionnels aux relations désormais tendues. Les élus arméniens se sont exprimés en faveur de la ratification du statut de Rome, traité fondateur de la CPI à 60 voix contre 22. La Russie voit cette adhésion d'un très mauvais œil, la Cour ayant émis au printemps un mandat d'arrêt contre le président Vladimir Poutine pour la déportation d'enfants ukrainiens vers la Russie. Face au réchauffement climatique, le monde des Inuits fond comme neige au soleil, situé sur la côte est du Groenland. Itokotomit est l'un des villages les plus isolés au monde, accessible uniquement par hélicoptère ou par bateau lorsque la glace fond. Un mois par an, la communauté de 350 habitants située à quelques 500 km de la colonie humaine la plus proche existe depuis un siècle, alors que la glace fond comme peau de chagrin dans le village d'Itokotomit, l'une des dernières communautés de chasseurs inouïs voit ses moyens de survie ancestraux menacés. Ce petit village reculé dans l'est du Groenland se trouve à 500 km de toute civilisation. À l'embouchure du plus grand fjord de la planète, prisonnier des glaces 11 mois dans l'année. Tellement isolé du monde que les bateaux ne peuvent y accéder qu'une fois par an pour ravitailler ses quelques 300 habitants. Le reste du temps, la communauté inuite dépend de la chasse et de la pêche pour s'approvisionner en viande pendant les longs hivers polaires. Mais avec la hausse des températures, la banquise s'amincit et rend la traque des phoques de plus en plus dangereuse. L'approvisionnement en eau potable est aussi menacé par la lente fonte des glaciers. La production d'eau pourrait être un problème à l'avenir à cause du lac d'où nous tirons l'eau pour toute la ville. Il se trouve au-delà du glacier, mais il est en train de fondre, alors peut-être que dans quelques années il aura disparu. Cela pourrait poser problème. La calotte glaciaire du Groenland renferme un douzième de l'eau douce de la planète.
de quoi faire grimper de 7 mètres le niveau de la mer si elle fondait totalement. Une expédition française s'est rendue sur place pour étudier ce poste avancé du changement climatique, avant qu'il ne soit trop tard. Vous entendez parler du réchauffement climatique, mais ici, vous le voyez, c'est ça le message. Les gens qui vivent ici, ceux qui viennent souvent comme nous, on voit les glaciers. On peut témoigner d'une mission à l'autre de l'impact du réchauffement climatique. Ici, c'est vraiment le laboratoire du changement climatique. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue sur le www.defimedia.info.